Bonsoir à tous, on se retrouve pour la réouverture du centre Edmond Flegg après une saison estivale où nous avons fermé. Et comment mieux redémarrer, je dirais, en accueillant Frédéric Potier pour notre rentrée littéraire. Bonsoir. Frédéric Potier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes énarque, vous avez été conseiller du cabinet du Premier ministre, vous avez été délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT au sein de la DILCRA. Vous êtes aussi écrivain. On vous doit La matrice de la haine aux éditions de l'Observatoire et un essai, Pierre Mendès France, La foi démocratique aux éditions Bouquin, un livre pour lequel nous avions eu le plaisir de vous recevoir l'année dernière, si je ne m'abuse, au mois de novembre. Exactement. Alors, c'est ça. Vous nous revenez ce soir avec un autre style littéraire, un polar, à travers un thriller politique. Alors vous signez un roman, et ça n'engage que moi, puissant, inquiétant de réalisme, mais aussi une fiction qui est quand même assez documentée, hein. On y reviendra. Ça s'appelle La menace 732, que l'on peut voir et que l'on peut se procurer aux éditions de l'Aube, chez tous les bons libraires. Alors vous nous racontez une histoire qui raconte celle de la France de demain, c'est-à-dire celle d'après les élections présidentielles. Alors, je pourrais tenter de faire un roulement de tambour, si vous me permettez. On va faire un pitch de cette histoire sans tout dévoiler, mais je crois que même si on dévoile tout, il y aura encore énormément de secrets à découvrir dans ce livre. Alors, on est donc après les élections présidentielles, elle donne un résultat qui ne satisfait personne parce que la marge entre l'extrême gauche et l'extrême droite est très très petite. Alors, est au pouvoir la gauche radicale qui triomphe, c'est une femme qui est la nouvelle présidente. Elle est déterminée à imposer son programme rapidement, même en employant la force. Elle nomme un premier ministre qui est issu, le moins qu'on puisse dire, c'est de la diversité, puisque il est noir, il est réunionnais, il est juif et il est homosexuel. Ouais. Donc il cumule tout, on est d'accord. Et cet homme existe. Et cet homme existe. Ouais. Bon, moi je ne dirais pas qu'il existe, là je vous laisserai dire les choses. Hein. Je soupçonne, mais bon, après c'est vous qui allez dévoiler. Alors, au milieu de tout ça, il y a une présidente du Sénat qui est présente et qui, elle, entre dans une opposition radicale, voire violente. Et pendant ce temps, dans les couloirs des services secrets, la capitaine Mérienne est investie d'une nouvelle mission qui consiste à surveiller les agissements du groupuscule Martel 732, ça aussi on en reparlera, de ce groupuscule qui menace de réaliser un coup d'État. Le coup d'État, il va avoir lieu. Et en face, une résistance va s'organiser. Et elle va quand même chercher les vrais coupables, parce que finalement, parfois, les coupables que l'on voit sont-ils les vrais en dessous? Bon, je ne vais pas tout dévoiler, hein. Je ne vais pas spoiler, je dis sans dire. Donc, je pense que le décor est planté. C'est très bien. Hein. Donc, je ne sais pas si on dit toute ressemblance avec des personnages ayant existé. C'est un roman, donc tout est vrai. Donc, c'est un roman, donc tout est vrai, c'est ce qu'on peut dire. Alors, franchement, on va parler en général. Moi, personnellement, je ne vous attendais pas sous la forme d'un polar qui est quand même haletant, parce que c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Hein. Moi, je l'ai lu, je ne me suis pas ennuyée. Il est bien structuré, il a un ton en plus moderne. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire un énarque, conseiller du Premier ministre, de cabinet du Premier ministre, ancien délégué ministériel de la DILCRA? Sérieux, tout ça, quand même. Vous avez quand même côtoyé les plus hautes sphères de l'administration. Vous continuez à le faire. Mais d'un coup, on vous retrouve dans un polar. Tout simplement, parce que d'abord, moi, j'avais envie de m'amuser un peu. Et c'est quand même beaucoup plus drôle d'écrire un roman, et notamment un roman noir, qu'écrire un essai sur Mendès France, où même si on peut avoir beaucoup d'admiration pour l'homme, il faut aller vérifier les œuvres complètes, les sources, les chiffres, les témoignages. Et puis aussi, parce que ce style-là littéraire, le thriller, le polar, ça permet de toucher un public beaucoup plus large. Voilà. Mmh. Moi, j'avais pas envie de faire un autre essai sur les coups d'État qui aurait été diffusé à la Fondation Jean Jaurès, que 200 personnes auraient regardé et qui serait resté comme ça dans les placards, que tout le monde aurait regardé avec un peu de respect et d'admiration, mais que peu de gens auraient lu. Et voilà, moi, j'avais envie de faire un truc très grand public, j'avais envie de lire un truc qui se lit sur la plage, sur sa serviette de bain, mais qui traite d'un sujet très actuel, à savoir les fragilités de la démocratie française. Alors, justement, vous vous êtes dit, peut-être que par le polar, c'est quand même un fort message politique, hein, caché derrière, de dire si vous n'allez pas voter, voilà ce qui peut vous attendre un jour ou l'autre. Vous avez pensé que ce serait plus
plus entendu par une plus grande majorité de personnes. Oui, puis j'ai fait le test, hein, je l'ai distribué un peu autour de moi, ma voisine, ma maman, etc., les tantes, etc., des gens qui étaient assez éloignés de la vie politique. Et je dois dire que le support polar, ça aide beaucoup quand même à faire s'intéresser des gens à la politique. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, ils m'ont dit « Ah, j'ai appris des choses, c'est assez inquiétant, je me pose des questions. » Et ça, moi, j'étais très très heureux de ça, parce que c'est pas des gens que j'aurais convaincus avec un essai publié au PUF ou avec une brochure ou une petite note comme ça, écrite en petit, avec plein de notes de bas de page. Donc voilà, je pense que le polar permet ça, je pense que les séries télé aussi, on va en parler peut-être, permettent beaucoup ça, et le cinéma permet beaucoup ça, et donc il faut utiliser, je crois, tous ces moyens modernes, tous ces supports culturels qui sont extrêmement puissants pour parler de problématiques très, très, très contemporaines. Et si nous on se dit, voilà, c'est des choses très sérieuses, et la seule chose de le traiter, la seule façon de le traiter, c'est un poil à la Sorbonne, on va pas s'en sortir, quoi. Voilà. Alors justement, vous parliez à l'instant de séries télé. C'est vrai qu'on est abreuvé de séries télé dans différents domaines, dans des domaines politiques surtout. On les voit, les séries américaines, les séries israéliennes. On a vraiment l'impression de faire une immersion dans la réalité, dans les problématiques politiques ou autres. Vous vous êtes inspiré de ça pour vous dire, ouais, finalement, regarde, voilà, dans les séries, ben finalement, ouais, ben, le message y passe. Je constate que, c'est comme vous l'avez dit il y a quelques secondes, ben, écrire un truc au PUF, un bouquin au PUF, ou alors faire un colloque à la Sorbonne, ben, ça n'a plus trop le vent en poupe. Donc vous dites, je me renouvelle et... Ben, je crois que moi, ma génération, moi je suis né en 1980, c'est peut-être la génération qui a vu se transformer les séries télé. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, ou début, voilà, début d'adolescence, les séries télé, c'était des trucs un peu de bof, voilà, très populaires, pas très intéressants. Et je crois que dans les années 2000, on a eu des très 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 belles séries télévisées. Alors moi, j'étais un grand fan de À la Maison Blanche, qui est une série des années 2000, où on a quand même voilà, beaucoup de moyens, des scénarios incroyables, des dialogues très féconds. Et puis après, il y a eu HBO, etc. Enfin, on a eu plein de très 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 grandes séries, notamment des séries aussi policières, hein, sur écoute, qui s'appelle The Wire en anglais. Voilà, c'est des séries mais qui sont extrêmement fortes, où il y a de la sociologie, où il y a de la politique, il y a de la géographie. Et je crois qu'en fait, la série permet beaucoup plus de parler aujourd'hui, presque que le cinéma, je pense. Oui. Et moi, oui, effectivement, le roman, il est un peu écrit comme une série télé, avec plusieurs personnages, avec du suspense, avec des séquences. Oui, en plus, c'est pas des longs. Si on s'arrête à la structure du livre, on n'est pas dans le cadre de longs chapitres, les uns derrière les autres, ça bouge beaucoup. C'est vraiment une série télé parce que les titres de chaque chapitre sont des personnages. Et c'est surtout, moi, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment les lecteurs font pour ne pas être interrompus par les enfants, le téléphone portable, les notifications, le boulot qui continue même à minuit. Et je pense que notre temps de lecture a beaucoup diminué, et surtout notre concentration a beaucoup diminué. Et moi, je fais le test en relisant quelques grands chefs-d'œuvre, je ne sais pas, des années 50. Là, je relisais La Joseph Romain Gary, voilà, il y a 400 pages, un livre. Je pense qu'on n'a plus forcément la concentration qui permet une écriture comme ça. Ce qui, pour moi, quand même un échec. Hein. Ce qui pose un problème, et ce qui montre aussi que les écrivains, les auteurs doivent s'adapter aussi à ce moment et à la façon dont les lecteurs... vivre avec cet objet qui s'appelle un livre aujourd'hui. Alors, si vous le voulez bien, pour ne pas spoiler tout le livre, moi, j'ai décidé de piocher à droite, à gauche, des thèmes qui m'intéressent. Bon, maintenant, vous savez un petit peu comment je travaille, parce qu'on avait fait aussi un peu ça. Donc, il y a des moments qui m'ont marqué, c'est peut-être pas dans l'ordre du livre, etc., mais c'est des thématiques qui m'ont marqué. Alors, force est de constater quand même dans ce livre, c'est que avant tout, et là, on va parler de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, vous avez une très grande inquiétude, mais en même temps, j'ai l'impression une fascination pour le coup d'État. Et d'ailleurs, dans le livre, on peut s'apercevoir que vous nous décrivez les coups d'État du 18 brumaire jusqu'à la chute de l'URSS, c'est ça? Ouais, hein, l'Espagne aussi. L'Espagne aussi, etc. Où vous nous décrivez ça, et là, on n'est plus du tout dans la fiction, dans la fiction, pardon, parce que là, c'est vraiment... vous nous faites un cours théorique, quoi. Ouais, ben c'est ça, je fais un cours d'histoire, et après l'ouvrage sur Mendès France, la question s'est posée de faire un essai sur les coups d'État. Moi, je n'ai pas voulu faire un essai, mais je me suis dit que ça serait bien d'imaginer un personnage qui soit prof à Sciences Po et que ce personnage fasse cours au milieu du livre. Et donc, j'ai essayé de faire des petites tranches de cours d'histoire politique dans un polar, ce qui n'est pas toujours facile à faire, d'ailleurs, surtout en écriture. Mais ça permet aussi de plonger le lecteur dans quelque chose qui est très concret, qui est très réel, qui s'appelle l'histoire politique. Et en fait, quand on regarde notre histoire politique française, elle est complètement irriguée par le risque du coup d'État.
avec Napoléon Bonaparte, avec Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, mmh. avec l'histoire contemporaine d'autres pays qui sont autour de nous. On parlait de l'Espagne en 80, l'URSS évidemment. Et voilà, je pense, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne façon, non pas d'instruire le lecteur parce que je lui fais une leçon comme ça, mais de rendre encore plus crédible le scénario que j'ai envisagé dans l'intrigue. D'accord. Et donc oui, ça m'inquiète. Le coup voilà, d'État, oui, ça m'inquiète. Et notamment, il y a Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que c'est de la science-fiction ? Voilà, pour moi, ça me paraît vraiment de l'utopie. Enfin, j'ose le croire. J'espère le croire. Mais je connais vos charges. Il faut en parler tout à l'heure, en dehors de cette réunion, de cette soirée. Je connais les fonctions que vous avez eues. Vous avez eu des fonctions, on en reparlera tout à l'heure. Vous avez, puisque vous étiez, je le disais, délégué interministériel à la DILCRA, donc ces mouvances d'extrême droite, radicales, de gauche, etc., vous les connaissez bien. Donc c'est ça qui me fait peur. Je les connais, mais surtout je crois qu'on les connaît tous, et elles ne se cachent pas, toutes ces mouvances, de véhiculer des idées de haine, racistes, suprémacistes, antisémites, etc. Et je crois qu'un des déclencheurs, moi, dans la rédaction du roman, ça a été ces fameuses tribunes dans Valeurs Actuelles, des tribunes de généraux ou d'anciens généraux qui menaçaient quand même le pouvoir civil, qui disaient « si vous n'agissez pas, ben nous, on fera à votre place ». Ça s'appelle un putsch. Ça s'appelle un putsch, ça s'appelle un coup d'État, et moi, j'étais quand même estomaqué. Et ça a fallu, alors ça a eu un petit retentissement, mais bon, il y a eu une ou deux pages, le Figaro, etc. Mais enfin, moi, j'étais profondément ébranlé par le fait que non seulement ça n'est pas beaucoup de retentissement, que les auteurs soient finalement assez peu sanctionnés. Et je crois, enfin ça témoignait aussi d'un état d'esprit dans l'armée française qui était assez inquiétant. Et donc j'ai voulu transcrire ça aussi dans le roman, avec d'un côté des officiers généraux qui sont très républicains, parce que moi j'en connais, je ne doute pas de leur fidélité à la République, mais qu'il y ait des petites minorités, des petits groupuscules comme ça qui fomentent dans leur coin des tentatives. Oui, ça a existé, ça a été parfaitement documenté. Dans le Figaro, il y avait des articles, dans Le Monde, il y avait des articles, dans Mediapart. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'à l'heure actuelle, et vous en parlez aussi dans votre livre, et on donne aussi beaucoup de poids à ce genre de choses à travers certains médias qui, pour faire le buzz, avoir un scoop, ou tout simplement relayer, montent tout ça en épingle. On est un peu dans une politique spectacle, mais aussi dans des médias spectacles sur certaines chaînes. Oui, mais là, c'était vraiment des tentatives qui existaient. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des officiers généraux sur une base de l'armée de l'air française qui commencent à s'organiser et à repérer des lieux, quand il y a des soldats français avec des tatouages néo-nazis dans certaines unités, ça, on ne l'a pas inventé. Hein. Mm-hmm. Et que des types aillent dans des camps d'entraînement dans les Alpes la nuit pour s'entraîner à tirer sur les arbres. Ça c'est pas de la science-fiction, quoi. Donc ce qui est de l'ordre du roman, c'est évidemment l'intrigue et le fait de créer des personnages fictifs et relier tout ça. Et en fait, c'est, je crois que le point le plus important, c'est que pour moi, c'est pas juste une succession de faits divers. Voilà. C'est-à-dire que souvent, on découvre par exemple une cachette d'armes, je sais pas, en Alsace. On va découvrir des uniformes nazis planqués quelque part. Et en fait, le risque, c'est de traiter ça sous l'angle du fait divers, faire un petit article dans la presse locale et pas comprendre que tout ça, ça fait système. Mmh. Il y a des gens qui, derrière, ont une vision du système politique, de notre système politique, qui n'est pas du tout démocratique, qui n'est pas du tout républicain et qui est profondément violent. Et moi, je trouve que la vie politique française tend vers de plus en plus de violence et je pense que cette pente-là, si on la suit jusqu'au bout, eh bien, on se retrouve avec des militaires qui vont dire non, moi, ce programme politique, là, alors moi, je caricature un peu, bien sûr, l'extrême gauche qui est au pouvoir et qui décide d'abandonner l'arme nucléaire, de couper le budget de 10% de ça, donc je vais un peu loin, quoi. Hein. Mais quelle serait la réaction de ces groupuscules-là si on en arrive là? C'est pas si évident que ça. Et donc c'est le point de départ du livre. Après, je serais tenté de vous dire que les groupuscules que vous décrivez, ils ont toujours existé. Vous prenez, je vous donne un exemple, vous prenez la menace 732, vous prenez ce fameux groupe, vous le nommez Martel 732. Alors, on ne peut pas ignorer la proximité avec un groupe d'extrême droite qui a réellement, et qui était terroriste, on peut le dire, existait, qui était le groupe Charles Martel.
Charles Martel qui avait même un club, des rédacteurs, qui eux-mêmes à l'époque, c'était juste après la guerre d'Algérie, c'est ça, avaient attaqué Jacques Attali, Robert Badinter, Gaston Defer. Alors pourquoi Charles Martel? Parce que alors là, Charles Martel, ben, on fait référence à Martel qui en 732 à Poitiers, eh bien, avait mis dehors les étrangers, les envahisseurs, je crois, du calife, parce que je me suis renseigné un peu, Omeyyade, c'est ça. Alors, ce qui est très intéressant sur cette bataille de Poitiers, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'en fait, d'abord cette bataille de Poitiers, où supposément Charles Martel a repoussé les Arabes, d'abord on n'était pas sûr qu'elle était à Poitiers. C'était peut-être à Tours, c'était peut-être à Angoulême. Après, on n'était pas sûr que c'était en 732. C'était peut-être avant, c'était peut-être après. Et la troisième chose que j'ai découverte, c'est qu'en plus, on n'était pas du tout sûr du caractère confessionnel de la bataille. C'est-à-dire que c'est assez probable finalement que des tribus francs aient combattu des deux côtés, parce que ben voilà, les ennemis de mes ennemis, les amis de mes amis. Et donc ce qui est assez marrant, c'est que cette bataille de Poitiers 732 est vue comme un symbole de la France qui résiste à la barbarie, comme ça, qui vient des pays arabo-musulmans, je résume. Alors même que la réalité historique est très, très disparate et que finalement les historiens se posent encore beaucoup de questions sur cette bataille-là. Donc c'est ça qui est marrant. C'est une histoire fantasmée. Ben c'est ça, c'est d'un côté le roman historique national français, avec des candidats comme Zemmour, j'en avais parlé quand j'étais venu la dernière fois, qui ont une vision modifiée de la France, et puis de l'autre, des historiens qui vous disent bah, nous on a fait des recherches, on a regardé, etc. Ce point-là, c'est pas sûr, là, c'est pas sûr. On peut faire que des hypothèses. Alors après, dans ce thriller, il y a beaucoup de personnages. Alors tous ces personnages représentent, je veux dire, entre guillemets, un kaléidoscope de ce qu'il y a de meilleur et de pire en France. Il y a quand même des ressemblances avec certaines personnes qui existent. Alors je ne vais pas spoiler, je voudrais vous laisser un petit peu nous expliquer. Vous êtes beaucoup amusé quand même. Je me suis beaucoup amusé, mais je n'ai pas voulu faire un roman à clé en disant « alors là je dessine un personnage et puis vous allez essayer de trouver le nom ». C'est quand même un peu plus subtil que c'est ça. C'est plus subtil. Ouais, j'ai plutôt essayé. Notre esprit rêvasse un petit peu. Voilà. Donc, j'ai plutôt essayé. Voilà. Donc, par exemple, ce premier ministre qui est à la fois juif, réunionnais, franc-maçon, gay, etc. En fait, j'ai vraiment un ami qui rassemble ses caractéristiques, qui fait de la politique, donc qui n'a pas été élu. À mon avis, il sera probablement jamais premier ministre. Mais il existe vraiment. Et donc, voilà, ça, c'est un demi-mensonge ou une demi-vérité. J'invente un personnage, une professeure de sciences politiques. Qui est un peu un mélange entre Dominique Schnapper et puis moi, une copine qui est docteur en géopolitique, plus un copain qui s'appelle Marc Ecker et qui est un grand spécialiste du terrorisme islamique. Donc je prends tout ça là, je mélange et boum, ça fait un professeur à Sciences Po. Et pour essayer de crédibiliser ces personnages et que ce ne soit pas juste des prête-noms, je me suis amusé à leur faire des comptes sur les réseaux sociaux. Donc ma professeure de sciences politiques, par exemple, elle a un compte Twitter. Donc parfois elle retweet Bernard Cazeneuve, elle dit c'est génial. Et j'ai même des gens qui m'envoient, ils disent oui, chère madame, cher professeur, cet article que j'ai publié devrait vous intéresser. Alors moi je réponds, merci beaucoup. Et j'ai fait la même chose pour un de mes autres personnages, qui est une jeune assistante parlementaire, sans trop dévoiler de choses. Et cette assistante parlementaire, là, je lui ai fait un compte LinkedIn, où j'ai mis une très jolie photo, etc., un CV parfait. Et donc elle a demandé en connexion plein d'assistants parlementaires au Sénat, à la Sénat. Et il y en a plein qui répondent, on pourrait boire un café. Quand même. Hein. Et donc ça m'a fait mourir de rire. Mais voilà, donc je me suis amusé comme un petit fou avec ça. Mais là aussi, j'ai inventé, enfin, je suis allé chercher des copines à moi, etc. Remarquez, même quand on invente, on s'inspire aussi de notre vécu, de ce qu'il y a autour de nous, de beaucoup de choses. Bien sûr, et puis il y a plein d'anecdotes aussi que j'attribue parfois à des personnages. Et qui sont à d'autres. Et qui sont à d'autres. Ouais, qui sont à d'autres. Alors j'aimerais là qu'on s'arrête sur un... pas un passage, mais ce que le livre m'a inspiré dans la fiction et la réalité, pas sur des personnages, mais sur des phénomènes passés qui ont existé. Alors, on peut trouver dans ce livre la remise en cause des élections. Dès le départ, on sait ce qu'on dit, que l'extrême droite dit qu'elle a été volée. Alors, bien évidemment, on pense tout de suite aux élections américaines quand Donald Trump a perdu. Ça a traversé l'Atlantique jusqu'à ce que beaucoup de gens croient qu'elles avaient été réellement volées. Mmh. D'ailleurs, il y a eu l'invasion du Capitole, etc. Enfin, un moment vraiment qui a fait peur. Ouais. Donc là, on n'était plus du tout dans la fiction. Il y a aussi les tentatives de... Vous parlez de tentatives de déstabilisation étrangère pendant les élections de la part des Russes. Donc, on les a vécues aussi. Mais ça, on les a vécues, nous, en 2016-2017. Exactement. Macron, c'était Macron Leaks. Et aux États-Unis, c'est pareil. Hein, le camp démocrate avait été piraté, son serveur piraté. Mmh. Et donc, ces tentatives d'ingérence, d'intrusion, elles sont réelles, elles existent. Et
Et je pense que les Russes s'en cachent pas beaucoup d'ailleurs. Donc, non, ils s'en cachent pas énormément. Voilà, il n'y a pas de raison de s'épargner dans un roman ce qui existe dans la réalité. Ouais. En fait, vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de cette fameuse tribune dans Valeurs Actuelles de militaires, etc. Vous l'avez restituée, mais vous l'avez un peu mieux écrit. Ouais, parce aussi, qu'elle était mal écrite, la tribune des généraux. Il n'a pas pu supporter, vous n'avez pas pu supporter l'écriture. Non, puis ma rélectrice m'a dit que ce n'était pas terrible en style, donc j'ai pu l'écrire. Ouais. Donc là, on est vraiment plus dans. Déjà dans la fiction, mais dans la réalité. Et puis il y a certains passages où j'ai même eu l'impression, on en discutait tout à l'heure, j'ai dû regarder le moment où il a été, c'est-à-dire quand a été édité ce livre. Parce que, voilà, on a l'impression que soit vous avez vu les trucs en instantané, soit vous les avez devancés, soit. L'invasion du Capitole, ça, je l'ai vécu au moment où j'étais au milieu de l'écriture. Donc ça, c'était. C'est quand même assez impressionnant. Ça, c'était assez étonnant. Et puis il y a des choses, il y a des hasards de la vie. Par exemple, à un moment, j'indique qu'il y a un changement à la préfecture de police le 20 juillet. Et en fait, c'est arrivé cette année le 21 juillet. Donc voilà, j'ai des copains qui m'ont dit « Tiens, t'avais prévu le changement de préfet. » Alors, c'est quoi votre secret ? Alors, regarde, là, je pense que j'ai eu du bol là-dessus. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi que vous avez quand même... J'ai pas appelé Laurent Nunez pour lui dire « Écoute, Laurent, ce serait bien que tu prennes ton poste le 21. » Parce que dans mon livre, c'est le 20. Alors, j'ai pas ce degré de proximité encore avec. Alors, il y a aussi un thème dans ce livre, moi, qui m'a marqué, puisqu'on parle d'élections présidentielles, on parle d'élections qui ont été le théâtre de débats agressifs, violents, on est aussi beaucoup dans le complotisme, dans le populisme. On sent vraiment un changement dans l'approche déjà des élections présidentielles, il n'y a qu'à voir les dernières, quoi, qui sont arrivées. Est-ce que. Vous pensez, vous, qu'on va pouvoir peut-être un jour venir à quelque chose à la normale, ou alors eh bien, on peut se dire que ça va être encore pire et que finalement ce que vous prédisez va arriver. Je sais pas, moi je suis pas très optimiste, hein. Enfin, pourtant c'est pas ma nature, je suis plutôt d'un naturel plutôt enjoué. Mais là vraiment, la dernière campagne, je trouvais qu'elle était quand même très nauséabonde. Alors en plus, il y avait les circonstances de la guerre en Ukraine qui faisaient qu'elle a été très particulière. Voilà, est-ce qu'on va retrouver des débats politiques apaisés, calmes, comme on pouvait les avoir dans les années 70-80? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Par contre, peut-être qu'on peut mettre quelques garde-fous, essayer de... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut limiter la politique spectacle? Je ne crois pas. Peut-être qu'on peut essayer de la contenir, peut-être qu'on peut créer des espaces où ces discussions sont un peu plus calmes, un peu plus apaisées. Peut-être qu'entre responsables politiques, parfois, il y a des moments de prise de conscience, je l'espère, mais... Vous y croyez pas ? J'y crois pas complètement. C'est vrai que c'est très pessimiste ce que vous dites, mais moi, dans ma petite expérience, j'avais un prof d'histoire qui me disait l'histoire est un cycle. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et il va y avoir forcément, à un moment donné, le mauvais tournant. Il va falloir le prendre, ce mauvais tournant. Parce que vous pensez qu'on est au mauvais tournant. Moi, je ne crois pas que les choses soient forcément écrites et qu'on irait forcément vers une catastrophe et qu'on n'arriverait pas à l'empêcher. Sous une autre forme que les précédentes. Oui, je pense parfois que, malgré tout, les électeurs sont parfois lassés de certaines outrances. Je pense à la campagne de Zemmour. Alors bon, il y a eu l'Ukraine qui lui a fait beaucoup de mal, par exemple, mais au bout de la 7e, la 8e provocation gratuite et la levée de bouclier, je pense que les électeurs se sont peut-être un peu dit... Bon, en fait, il veut faire du buzz, mais voilà, est-ce qu'on veut vraiment lui donner le bouton de l'arme nucléaire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Donc voilà, il y a peut-être ça comme brin d'optimisme, et puis on voit aussi qu'aux États-Unis, Biden a été élu sur un programme plutôt calme, crédible, sérieux, face à Trump qui, on va écouter dans l'invective. Une petite parenthèse, si vous le permettez, parce que vous avez été vous-même conseiller au cabinet du Premier ministre, vous avez... quand on regardait les élections, on peut dire ce qu'on veut, mais la priorité principale des Français, la numéro une, c'était le pouvoir d'achat. Alors soit je me trompe, soit on n'a pas trop entendu parler pendant cette élection. Est-ce que vous pensez aussi qu'il n'y a pas une faillite de la part des politiques à s'emparer des vrais problèmes? Parce que quand on s'empare des vrais problèmes comme le pouvoir d'achat, comme le fait que les gens puissent vivre décemment, les extrémismes baissent fatalement.
Oui, alors on avait quand même essayé de le faire, parce que je me souviens bien d'un sondage qui montrait ça, et notamment dans les débats qu'on avait autour de Zemmour, etc. Donc on disait, le thème numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Alors bon, il y a la sécurité et l'immigration, mais il y a aussi les inégalités sociales, etc. Et donc je pense qu'il y a un sujet politico-médiatique. Mais par exemple, moi, je vois ce qui m'inquiète le plus, par exemple, c'est, je regardais dans l'article du Monde, là, qui montrait le prix des biens de consommation et des plus essentiels. Ils ont explosé. Voilà, donc les coquillettes qui prennent 15%, les steaks hachés qui prennent, je ne sais plus, 17%, voilà. Bah, ça, en termes de danger démocratique, moi, ça me paraît important. On est d'accord. Plus qu'une affiche du planning familial où on voit un homme enceint, comme on dit. Et donc, je trouve que parfois, la scène médiatique est complètement occultée par des pseudo-débats ou des débats, je sais pas, sur les barbecues. Franchement, on s'en fout des barbecues. Oui, d'accord, c'est vrai qu'on s'en fout sur les barbecues. Mais par contre, que les gens puissent manger à leur faim et qu'ils puissent, à la fin du mois, avoir un tout petit peu de budget pour autre chose que des besoins primaires, ça me paraît assez essentiel. Et pour le coup, ça, c'est à la gauche de porter ça et de le porter de manière forte, ambitieuse et crédible. Surtout qu'on en est loin en ce moment, puisque bon, c'est échappé à personne qu'on sait que l'automne et l'hiver sera rude. Pour les Français. Ça a été annoncé d'ailleurs hein, par le président. Donc on est loin de pouvoir manger même des coquilles. Enfin, c'est quand même assez compliqué parce que les extrémismes, quand les gens n'ont pas à manger, vers quoi ils se réfugient? Vers du populisme. Et c'est le cycle. Et c'est le risque du bouc émissaire et voilà. De racisme et d'antisémitisme derrière. C'est logique de bouc émissaire, de grand remplacement. Mais ça, c'est pas nouveau. Non, mais il faut les dénoncer quand ils sont là. C'est pas parce que c'est pas nouveau qu'il faut s'empêcher de dire qu'il y a des instrumentalisations et qu'il y a des détournements des grands sujets politiques à venir. Alors, j'ai encore deux questions, deux, trois questions, après on passera au public parce qu'il y en ils a. Ils ont des questions. Ils ont des questions. Alors, on parle d'extrême droite, d'extrême droite. Vous n'êtes pas tendance, lui, avec la gauche radicale. Hein. Avec la gauche radicale. Vous nous présentez une présidente qui est complètement hystéro. Qui veut faire passer son programme, si elle veut le faire par la force, eh ben, elle le fera. Enfin, c'est compliqué. En fait, ce que j'ai voulu montrer par ce personnage, c'est pas tellement le côté hystérique, c'est pas ça qui m'intéressait, c'était plutôt la question de qu'est-ce qu'on fait quand on a un programme extrêmement ambitieux, voire irréaliste, et qu'on rencontre la réalité. C'est-à-dire le mur des contraintes financières, juridiques, des contraintes de calendrier, ou des alliances politiques, ou des réactions négatives que crée ce programme-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut dire, moi j'ai été élu, j'ai la légitimité démocratique et donc j'y vais, je fonce, parce qu'en fait j'ai été élu, j'ai mon programme, j'ai la majorité, même si c'est à 50 000 voix près, et donc j'y vais, je fonce. Ou bien est-ce que la responsabilité c'est de se dire, je veux aller jusqu'au bout de mon programme, mais si finalement je tiens 3 mois, eh bien j'aurai échoué. Et en fait, c'est cette tension que moi j'ai voulu reproduire dans mon livre à travers des personnages qui sont au pouvoir, hein, Premier ministre, les directeurs de cabinet, les services secrets, les ambassadeurs, etc. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on se dit tous, hein, que tous les politiques et leurs entourages se questionnent quand ils arrivent aux manettes. Et la réponse n'est pas évidente, moi, je trouve. C'est pas facile de se dire le programme on remise, ou de se dire le programme c'est que le programme et puis on ne tient pas compte de la réalité. Et souvent, en fait, en vrai, c'est un peu un mix des deux, où on essaye de se dire... Il faut d'avoir aussi un minimum d'adhésion de la population. Bien sûr, mais parfois, quand vous avez un taux de participation qui est très faible aussi, vous pouvez vous dire, j'ai été élu, mais en fait, le taux de participation était tellement faible, que est-ce qu'il y a une vraie adhérence à mon programme politique, C'est pas évident. Et en fait, ce que j'ai essayé de décrire dans ce roman, c'est aussi la fragilité des hommes et des femmes politiques, qui ne sont pas des super-héros, n'est pas forcément Charles de Gaulle, Mendès France ou Gaston Defferre, parce qu'on est à Marseille. Et on a forcément des défauts, on a forcément des défaillances, on a des ambitions, on a parfois des failles personnelles. Et en fait, la politique, c'est pas un truc de bloc contre bloc avec des gens qui sont des robots. C'est des gens qui sont profondément humains, avec ce qu'il y a comme grandeur et ce qu'il y a aussi comme parfois petite misère. Et donc, quand vous avez des gens profondément humains au pouvoir, nos institutions qu'on dit très solides, très dures, très massives, qui sont celles de la Ve République, en fait, pour l'avoir vu de l'intérieur, c'est pas si solide que ça, c'est pas si évident que ça. Non, c'est vrai que pourtant on dit que, moi je me suis, à chaque fois, à chaque élection, je me dis quand même, la démocratie elle résiste, ça, quand même. La démocratie elle résiste, mais parce qu'il y a des vrais démocrates qui sont bien solidement arrimés au pouvoir, mais lorsque c'est sous bassement et lorsque ces démocrates sont fragilisés dans leur légitimité,
eh bien c'est là où c'est moins évident et qu'on peut écrire des bons romans noirs. Et dites-moi alors, finalement... On espère que ça restera les romans. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que ça va rester un roman pour les prochaines élections présidentielles ou on est foutu? Moi, je suis c'est assez compliqué. Je suis pas naturel négatif, donc je pense que rien n'est foutu. Rien n'est foutu. Par avance. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez été donc délégué interministériel à la DILCRA. Vous retenez quoi de ces années passées à la DILCRA? Il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que moi je suis resté 3 ans et demi auprès de plusieurs premiers ministres pour m'occuper de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et moi, si je dois retenir un truc, c'est qu'au fond, il y a quand même beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de gens qui sont très engagés, qui font des choses magnifiques. Et ça, on n'en parle jamais. On n'en parle presque jamais. Oui, parce qu'il y a du positif aussi. Oui, alors dans les exemples, là ici, parce qu'on est à Marseille, en PACA, par exemple, ce que fait le camp des Mille, voilà, c'est formidable. C'est un vrai travail de fond. C'est un vrai travail de fond, c'est vraiment utile. Ce qu'on avait fait avec Loïc Gachon à Vitrolles, avec un contrat, c'est mon prédécesseur Gilles Clavonneur qui l'a mis en place, hein. C'est pas moi. Hein. N'empêche que ça marche. Voilà, ici à Marseille, avec la police municipale, on avait fait une séance de sensibilisation sur tout ce qui était homophobie. C'est pas rien. Hein, voilà. Je dis pas qu'on a changé les choses et je dis pas qu'avec une baguette magique, on a pu résoudre tous les problèmes. Mais c'est ça, moi, ce que je veux dire. C'est que c'est pas parce que les structures, le système politique, parfois, est dur à bouger et que c'est compliqué et qu'il y a tout un tas de problèmes qu'on peut rien faire. Moi, je pense fondamentalement l'inverse. C'est parce que tout a l'air dur et tout a l'air très compliqué que les gens qui essayent de faire des trucs, il faut les aider, quoi. Il faut pas leur dire « Ah bah non, tant qu'on n'a pas fait la révolution, Coco, tu seras pas crédible. » Ah bah non, désolé, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis un vrai social-démocrate réformiste qui prend l'action publique, même si c'est parfois des petits pas les uns pour les autres. Alors, avant de céder la parole au public, vous travaillez sur quoi en ce moment? Eh bien, en ce moment, j'écris la suite. Voilà. Il y a une suite. Et oui, il y a une suite. Mais il faut le lire pour le comprendre. Il y a une suite. Et il y a même... là, je lâche un gros scoop. Hein. Il y a même un chapitre qui se passe à Marseille. Waouh. Et donc, en venant, je prenais des notes. Eh bien, on vous remercie. Merci beaucoup. Frédéric Potier, merci infiniment. Merci à vous. On se dit à très bientôt pour la suite. Pour la suite.